Bonsoir à tous, bienvenue sur ObjectifNews.tv pour l'interview de 18h, en compagnie aujourd'hui de Jacques Tranier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Vinovalley, qui regroupe quatre caves coopératives, du Gaillac, du Fronton et du Cahors. Vinovalley a acquis une certaine notoriété, en tout cas dans le grand public, avec son fameux rosé piscine distribué largement au cours des étés précédents, et aussi du ginger rosé. On ressent Vinovalley comme une coopérative qui veut vraiment collé au marché, aux nouvelles tendances. Quelle est la stratégie commerciale? Vinovalley, de toute façon, est là pour casser les codes, c'est-à-dire qu'on a vraiment un territoire de communication qui est un peu à part dans la profession. D'abord parce qu'on a la volonté de moderniser l'image du vin, d'adapter nos vins à des modes de consommation qui sont plus festifs, peut-être, puisque le credo de Vinovalley, c'est de vendre du plaisir. Et donc, nous avons des gammes de vins qui épousent des instants de consommation qui sont soit festifs, soit plus sérieux, soit plus du monde des affaires, etc. Donc, avec des positionnements. Ça veut dire que vous segmentez le marché ? On segmente le marché parce qu'on pense qu'on a des moments où on a envie de pouvoir avoir un verre de vin, j'ai envie de dire, accessible, à la fois en termes de goût et en termes de prix, et qui apporte quand même malgré tout beaucoup de plaisir. Et puis il y a des moments où on veut rentrer davantage dans la culture du vin, dans ce que j'appelle la grande tradition de ce que sont les qualités de nos cépages, etc., etc. Et donc qui sont des vins plus complexes, plus difficiles à faire, plus on va dire élaborés, donc qui coûtent plus cher bien sûr. Et ça aussi, nous avons l'ambition de savoir faire, et notre portefeuille, j'ai envie de dire, produit, il s'adapte à tous ces moments-là. C'est ça le credo de Vinovalley, c'est d'être proche des moments de fête de chacun d'entre nous. Vous aviez surpris quand même beaucoup les consommateurs avec ce ginger rosé. Est-ce que pour cet été, on peut s'attendre à aussi des innovations, des nouveaux produits ? Alors, une thématique forte à Vinovalley, bien sûr, c'est tout ce qui est recherche et développement. Donc, on ne se contente pas de tout ce qu'on a fait. On a dans les tuyaux aujourd'hui deux autres vins que nous sortirons très certainement l'été prochain. En tout cas, 2014. Au moins un sur les deux. En général, on passe toujours un été à tester les différents scénarios de profil sensoriel, etc., pour voir si on est bien reçu. Ça, c'est quelque chose qui se fait de façon un peu plus discrètement, on va dire. Et en général, on met le paquet l'année d'après. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est en train de mettre le paquet sur Ginger Rose et Rose Piscine parce que c'est des choses qu'on avait trouvées déjà depuis un petit moment. Et dès 2014, vous verrez arriver d'autres choses. Ce qui est important pour Vinovalley, c'est de créer toujours un petit peu l'événement et la surprise autour de quelque chose qui est nouveau et qui vient bombarder un peu ce marché du vin qui est toujours un peu traditionnel, un peu installé. Vous, la tradition, le conservatisme, ça vous plaît pas ? J'ai envie de dire que on comprend l'intérêt et nous avons une gamme de vins qui est spécifique pour ça. Par exemple, on va sortir un concept complet pour Vinexpo, donc pour dans un mois, autour du 15 de Vinovalley, qui est un petit clin d'œil à la sélection entre guillemets de ce que nous pensons, de ce qui se fait de mieux sur notre vignoble. Des vins qui sont issus de nos caves, mais des vins avec qui nous coopérons avec des caves particulières qui ne sont pas forcément adhérents chez nous, et on va créer une offre sur un segment en termes économiques qu'on appelle super premium, plutôt à des tarifs donc qui sont plus proches de 10 euros la bouteille, mais qui a l'ambition de faire de ce qui se fait de mieux sur nos trois vignobles. Voilà. Donc on a coopéré avec un certain nombre de vignerons indépendants jusqu'à maintenant qui sont d'accord pour travailler avec nous en toute confiance. Et voilà. Donc, si vous voulez, effectivement, on se rapproche des jeunes parce qu'on essaye de coller à leur moment de consommation, mais effectivement aussi, on garde quand même pied sur les critères de niveau, les critères de type tels qu'ils sont traditionnellement vus dans le vignoble, disons, un peu plus traditionnel. Mais c'est vrai que notre originalité, nous, c'est qu'on ne se contente pas de ça.
Vous comptez aujourd'hui plus de 150 salariés, également 450 vignerons. Vous avez, on le voit bien, une volonté de visibilité. Vous avez un projet à la sortie de Gaillac, un projet d'acquisition pour une sorte de maison Vinovali, c'est ça? Voilà. Notre réflexion aujourd'hui se porte aussi sur tout ce qui touche à la valorisation du tourisme tel qu'il existe chez nous. Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait en matière de réceptif sur la thématique du vin, que ce que l'on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Donc nous avons un domaine Vinovali qui est un projet qui va sortir dès 2014 sur l'échangeur de Gaillac, où on, à la fois sur l'espace paysager, la vigne va reconquérir un petit peu le rond-point de la sortie Gaillac et ensuite de pouvoir recevoir les gens autour d'un complexe de restauration, de découverte des vins, à la dégustation et de vente. Vous envisagez un déménagement aussi ? Alors ça, c'est la première des choses. Donc pour pouvoir faire vraiment du réceptif sur l'entrée du vignoble. Et la deuxième chose, c'est que notre site aujourd'hui, qui est notre siège social, est un peu trop petit. Voilà, on est un peu victime du succès de Vinovali, et donc nous sommes amenés à déménager. Ça, c'est une certitude. Nous avons mis la priorité sur le site des Portes du Tarn, qui doit avoir le jour, nous en serons davantage dès cette fin d'année. Et là aussi, nous avons un projet qui a l'ambition de mêler à la fois le tourisme technique et d'être vraiment le vignoble aux portes de Toulouse. Donc ça, c'est... Vous voulez aussi vous rapprocher de Toulouse ? On est la cave des Toulousains, donc on a cette fierté de pouvoir être à la fois milieu rural, mais très proche de l'entrée de Toulouse et de sa rocade, puisqu'on sera à peine à 10 minutes de voiture de la rocade de Toulouse. Donc on s'installe effectivement comme étant la cave représentative des Toulousains. C'est la raison pour laquelle on fait de cette ville cette priorité. Merci Jacques Régnier. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.